à dire. J'ai hâte. On est dans une semaine, on est en Espagne. En tout cas, j'ai trop hâte, je vais mourir de. J'ai moins de. J'ai déjà commencé le vlog. On est en vacances. On est déjà marre, du coup là on va jouer au Uno, voilà. Vous sentez pas un petit odeur là comme ça? Ça a plus le pipi. Il est 17h, on a fait notre première pause. On a fait un petit jeu en mode, on a une cible et faut le faire une action. Moi j'ai une prof d'espagnol. Bon, bref, et du coup bah voilà, toi t'as qui? Je sais pas qui c'est. Il est bientôt 20h, on va faire un coucher de soleil. Moi j'ai dormi pendant 30 minutes. Elle, je sais pas ce qu'elle faisait, tu sais quoi? Je regardais ma série. Voilà. Ah. En Espagne, donc on est au Burger King. Bah vous mangez pas trop de burgers et tout, mais voilà. On est trop big brain parce qu'on s'est mis sur une table où il y a personne, alors qu'eux ils sont tous là-bas comme des pigeons sur la table sale, alors que nous on est des big brain. En plus, eux ils ont pas de chaises, ils sont sur des petits bancs. Nous on a des chaises, on est cocooning, hein. On est les filles, elle a parlé espagnol, là elle revient. Wow. J'ai essayé de parler espagnol et genre je. C'est un flop. J'étais là en mode. Catastrophe, Périne elle a fait du caca. Il y a une mamie qui a parlé espagnol à l'Oise. Elle a commencé à me faire Esto occupada, je sais pas quoi. Ça, je t'envoie. La fille qui a apparemment. Mais... Et puis je me la pète. Hein. À donf, je me la pète. À donf. Ah, il est quelle heure? Il est minuit presque. Non, 23h30. Et là, on a 40 minutes dans une heure d'autoroute. Donc on va balader et on va visiter. Gros, on doit rester 40 minutes sur une heure d'autoroute parce qu'on est vraiment trop à l'avance, c'est selon la source de Lily. Ils ont lâché. Le problème, c'est que c'est vraiment genre une désert. Genre, on a rien à faire. Donc on va sur le pont. On est touriste, Lily. Il y a un pont, c'est San Francisco. Attends. Quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois que j'ai mal compris en fait. Ça? Et après, on fait comme ça en mode. On fait comme ça, je fais un truc comme ça. This shit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls straight. Buzz club. Deuxième post club. Voilà parce que en fait on doit. Et après on va faire un petit dodo. Voilà les amis. Au revoir. Va dormir quoi. Criminal offensive side eye. Au revoir. Bisous. Bah si, bien sûr que c'est. À 2h, je pense. À 2h, à 4h, à 6h, à 8h. Venez, on sort tout le temps. Ah oui. Banane. Mais de toute façon, il fait comme Eto. Ça va bien, tu vois. Tu as dit un, 2, 3. 4. Là, on est à la 3e. Attends. 4e. Il est 3h42. Voilà, on. Ouais, moi j'ai pas dormi du tout. Ça me saoule de pas dormir parce que après, je sais que je vais être crevée. Mais bon. Surtout que demain, on se dirait que t'as des activités. Enfin, en fait, dans 3h, quoi. Mais bon, écoutez, on fait comment? Moi, j'ai dormi. Bombastic side eye. While I watch this beautiful thing shake that ass. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dance. Les jus d'orange de l'Espagne sont très, je dirais comment, pulpeux. Parce que là, vraiment, tu vois ça, t'as. On voit que c'est du vrai jus d'orange. Hein. Voilà, voilà, la cathédrale de je sais pas quoi. Mais... La cathédrale, la capilla real, chapelle royale. Voilà, on y va. On y va. Girls, we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Et donc là, on a fini de visiter la première cathédrale. On pouvait pas filmer, mais elle était belle. C'était très beau. Genre, il y avait plein de détails, plein de trucs dorés et tout. Waouh! La cathédrale, elle est grave belle. Genre, vraiment, elle est incroyable. Elle est aussi belle que Thibaut. C'est magnifique, bah, tu as un truc à dire. C'est beau, mais j'ai peur des trucs grands. Un truc à dire? C'est magnifique. Un truc à dire? C'est grandiose. Voilà, on est à la cathédrale. Il y a une meuf, elle a commencé à parler espagnol. Elle m'a demandé de prendre une photo et tout. J'ai un peu bégayé, mais je l'ai fait. Et j'ai photographié. Beau gosse, là. Photographe. Thibaut, photographe. Là, on a 45 minutes où on est quartier libre, on fait ce qu'on veut, donc on va visiter, faire le magasin. J'ai demandé à une dame de nous prendre en photo et genre, je savais pas quoi. Elle a bégayé. J'ai dit, hola, puedo, photo. Photo.
Là, on va manger, mais le restaurant, il est grave de luxe. Genre, le restaurant, il est comme ça, genre. C'est incroyable. Ah, le gâteau, il était sec. T'es pas menteuse, toi. Maman, le gâteau, t'appuyais dessus. Il y avait le jus qui sortait. Alors, on est rendu au dessert. Voilà, on mange l'ananas. C'est super bon. Vraiment, on dirait que c'est de la qualité. N'est-ce pas? Hein, c'est de la qualité. De la qualité. Là, on est dans une basilique et on a des téléphones. Si. Voilà. C'est les Total Spice. Voilà, très drôle. Là, avec Louane et Clara, on est dans une cathédrale, dans une basilique. Je mets en pause mon appel. Il va y avoir une sorte de petit spectacle qui va se passer. Du coup, on sait pas. Là, on est en train de marcher vers un parc. Mais en fait, on sait pas, ça fait un peu 30 minutes qu'on marche là. On est enfin arrivé au parc. Là, on est en train de faire du tir à la corde. Et c'était la capitaine. C'est moi la capitaine. Voilà. À quel moment 50 personnes, 8 capitaines, et forcément, je tombe. Louane. Se prendre une friendzone en Espagne. Non, c'est faux, il m'a dit bonjour. Non, c'est juste un vent un peu quand même. Moi j'ai vu dans son regard que tu vois, il avait l'amour. Dit oh, waouh, c'est la fin de ma vie. Voilà. Buenos dias. Là, il y a les familles juste devant nous, mais on sait pas. C'est un peu le stress. Qu'est-ce qu'à dire? Stress. Non, c'est bon. Elle est stressée. Elle est stressée. C'est parti. J'espère la aventure. Alors, on est allé avec la famille et. Elle est grave gentille. On a mangé frites et poissons panés. C'est grave bon. Et elles sont hyper gentilles. Au revoir. Il y a un mec regardez arrivé de sandwich qui a l'air appétissant. C'est très délicieuse. Miam. Là on a avec les espagnols, mais un espagnol il m'a fait un câlin. Non, il m'a fait hola, il m'a fait comme ça, il m'a fait hola comme ça. Alors là on a vu un peu nos correspondants qu'on a un élève attribué, voilà. Et là on va faire une partie de foot. C'est Maria, et Maria elle est trop cool. C'est vrai, Maria. Moi j'ai Daniel, et Daniel il est très sympa aussi. Christina, incroyable. J'ai eu ce petit bracelet, regarde, trop mignon. T'as eu quoi toi? Un livre d'histoire. T'as eu quoi? J'ai eu un petit magnet trop sympa, mon correspondant Pepita. On a fini la journée, le lycée. Ils nous manquent trop, ils étaient incroyables. Mais trop gentils. Du coup, il faut qu'on organise un truc. Faut qu'on essaye de le revoir, faut qu'on essaye de le revoir dans la semaine. Oui, ouais, avant la fin de la semaine. On va manger et. Sur voilà. Le sol, comme des petits clochards. Ça fait clochard. Bon, d'accord. Ça fait clochard. Non, tu viens ici. Je te dis, ça fait clochard. Donc là, avec Clara et tout le monde, on est arrivé au quartier juif et flamenco. On va mettre la crème solaire là. Voilà. Il fait chaud. Oui, alors. Donc là, on est au quartier musulman. Ouais, c'est très joli. J'aime bien, genre, ça fait. Comme elle dit, Luan, ça fait une petite vibe de Grèce. Voilà. Mamma mia. Mamma mia. Here I go again. Mamma. Il fait très chaud, mais là on a en fait l'Alhambra et tout. Et on y va vendredi à l'Alhambra. C'est l'Alhambra. Donc on verra vendredi si c'est beau, mais apparemment c'est beau. C'est beau. Le marché démarre. On en a un peu plus. Il y en a combien tu penses?
J'ai pas compté, je veux pas compter. Je pense qu'il y en a 200, 300 en tout. Et on en peut plus, mais on va aller voir le musée de la Sacramento. Voilà. Moi j'ai l'habitude des randonnées, donc ça va. Criminal offensive side eye. Donc là, on vient de finir les visites des grottes. Ouais, il y en avait plein de petits, genre de la ferme, les tables, la cuisine. La dame était gentille. C'était un peu long, mais on a eu la meilleure dame et tout. Oh. Alors là, avec Océane et Louise et Lily, on a fini de, le quartier juif et de Talma. Bref, et après l'effort de réconfort, donc on a pris des glaces et des granitas. Et en sueur pour. Enfin, j'étais. Puceau, moi, sérieusement. Là, on est rentré chez nous, sauf qu'il n'y a pas Axel, lui qui s'est blessé. Là on est mercredi et on va faire quoi? Un jeu de piste. Coucou. Hola. C'est bon, t'es content? T'as eu ton petit moment? Allez, on applaudit tous. On va faire un jeu de piste. Voilà. Là on a fait un questionnaire sur El Pinto de los Niños. C'était un peu nul, mais après on va faire un jeu de piste. Voilà. On va gagner, on va avoir le cadeau. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Donc là, on est en train de faire le jeu de piste et en gros, on a trouvé des peintures et faire des photos avec. Là, du coup, là, on a vraiment l'impression d'être dans Pékin Express, genre. Ok, donc là, on a fait une photo et il faut qu'on aille trouver d'autres photos. On a déjà fait 3 photos sur 6. En fait, on demande au local s'ils savent où on est. Et du coup, là, on va chercher le quatrième, mais il faut faire des photos originales. Voilà. Ne lève pas ton bras. Voilà, les voir. Cassandra, elle en a marre. Cassandra, elle en peut plus. Ma famille en peut plus. Moi, j'en peux plus. La France entière en peut plus. D'accord. Je n'en peux plus. On a fini le jeu de piste. Et là, on s'apprête on à. Déjà on va 3 minutes. Voilà. Ça fait trop longtemps. Mais du coup, là, on va au parc des sciences. Je vous dis, conseil, vas-y. Ah. Une montée sandwich. Pas très original. Vraiment, c'est de la qualité. Oh, saumon de sandwich. Donc petit vlog, donc là on va au parc des sciences et t'as assez 4, le groupe des 4 quoi, Louane et tout. Ça y est. Ça a fait 10 minutes, on les attend. On était en train de parler de potins, putain. On est au parc des sciences. Ah, voilà. C'est vraiment magnifique. Yay. Yeah. En vrai ça va, genre c'est bien. C'est bizarre. Voilà, en fait ça sert à rien. Arrête, c'est bizarre. Allez. Attends, arrête. Mais c'est bon. Arrêtez. Rien. C'est animaux. Rien de dingue, je trouve. Mais c'était vrai ou pas vraiment? Je pense que c'est. C'est quoi ta source, toi? C'est Thibault Labat. D'accord, donc c'est pas un paillet, quoi. Vraiment beau, mais c'est un peu triste parce qu'ils sont tous enfermés. Donc c'était trop bien, on a vu plein d'animaux. Ça te manque? Ça me manque déjà. Comme Dani. Donc Clara, on va peut-être faire ça en haut. Ça serait trop bien. Pépite. Là, avec Perrine, on a fait des trucs, des illusions de tri, c'était grave drôle, genre grave. C'était incroyable, ouais. C'est trop bien. Super bien, j'ai adoré. On valide les illusions. Oh, je sais pas quoi, mais on valide. On valide. Là, on va faire le planétarium. C'est un truc comme ça, un dôme. On valide. Alors, nous avons fini le planétarium. Alors, c'était très bien. Genre, c'était incroyable. Genre, il y avait une immersion et tout. Mais par là, Luan, moi et Clara, on a failli dormir. Hein. Genre, Thibaut, il me réveillait carrément. Et moi, c'est ma pote qui me réveillait. Genre. Il est 20h et on fait les provisions, on fait les courses pour se nourrir. Là, il est 7h30, on s'est levé à 6h30 parce que là, on doit prendre le bus pour aller
à la plage, il y a une grotte bizarre. Là, on est dans le bus, sauf que les deux là, elles arrivent pile à l'heure, on les attend. Et là, il manque Lily, Liane et Rosie. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Là, on est à un village. En gros, c'est le truc de la Conquista où il y avait tous les trois religions et du coup, on visite. Et c'est pour ça la Grèce. Ouais, mamma mia! Vamos a una calle muy estrecha. Là, elle est très bien la liste, hein. Mais quel est long. Les filles, je suis tombée. Mais il a failli se faire péter la gueule. Et on fait un cours d'histoire, quoi. On fait un cours d'histoire. Voilà. Ah, mais là, c'est dur qu'une compréhension orale, hein. Là, on va à la grotte de Nerja. Le problème, c'est que là, on cherche la grotte. Là, on cherche la grotte, du coup, on est dans une plaine, dans la pampa, un peu genre. C'est la pampa. Pampa. Commencer la vie de la grotte de Nerja. Je trouve que c'est très clean, c'est très paradisiaque. Mais genre, je trouve que c'est très propre. C'est très propre. C'est waouh. Waouh. Alors, c'est-à-dire que cette grotte qui est assez comme ça là. Franchement, on voit très bien. Moi, je vois bien les stalactites. T'as peur de tomber? Pas du tout. On a fait les règles et là, on doit attendre 10 minutes. Voilà. Ah, super, j'étais même au courant. Là, on est à la Cueva de Nelja et là, on attend. Et voilà, en mode agent et tout. On écoute, on écoute. On est dans les grottes. Oh, c'est un truc à dire sur les grottes. C'est incroyable. Oui. On va encore plus bas là. Oui. On valide, c'est super grand, c'est waouh. On valide. Là, on a fini la grotte de Nelja. Moi, j'ai aimé. Bon, Lohan, elle a aimé, mais en fait, genre, salut. C'était bien, mais il y a trop d'escaliers. En fait, là, on voyait pas. Ouais, ouais, genre, les photos, c'est trop moche. Voilà. Et c'était un peu court aussi. Aussi, un petit peu. Je pensais que c'était plus long. La plage s'approche de Fratino et de Pondi. Et alors. Ouais. On a trois. Alors, même à Grenade, on manifeste contre la réforme de retraite. On va manifester là. Oh, j'ai rien compris. On va à la plage. Vamos à la plage. Là actuellement on est en train de faire un plan super malicieux. En gros j'explique. En gros on a un jeu de dégage et tout. Et moi ma carte c'est Morgane. Et le problème c'est que bah, elle a Sacha. Parce qu'elle a un gage super super sur Dieu. Du coup on va l'aider à faire son gage, voilà. Après l'éliminer. Et après on l'élimine. Ce n'est pas une plage de sable. Eh oui, ce sont des petits cailloux. Un peu le sable. Je vais vous gâcher, je suis un peu déçue. Elle nous avait dit, maman espagnole, elle nous avait dit que c'est du sable. Donc là, on mange des glaces, mais merci. En fait, merci Erasmus qui nous paye les glaces. Incroyable, oh my god. Elle a fait que bronzer, elle. Je m'en remets. Moi j'ai fait beaucoup de sport, j'allais dans l'eau et tout. Trois fois la balle au prisonnier, j'ai gagné trois fois et une fois au volet, j'ai perdu. L'eau, elle était glaciale. Ouais, mais c'est trop bien. C'est la dernière nuit chez la Mama Hispania. On a pris une photo avec elle et tout, très gentil. Et du coup, bah, à demain pour la dernière journée. Là, on est vendredi, on a dit au revoir aux familles. Il y en a plein qui ont pleuré, c'est trop triste. Et là, sa mamie, elle a pleuré et tout, et trop triste. Eliane aussi. Quand les larmes auront séché, que restera-t-il? C'est pas ma petite tata, eu ce qui désire. Cache-la un peu avant la gloire. Oh putain, c'est génial. Donc là, on est à l'Alhambra après avoir un départ. Elle est stressée vu qu'elle a pas vérifié sa chambre. Oui, bah oui. Et parce qu'en plus, c'était triste son départ. Elles ont pleuré, On a versé notre larme. Hello
darkness, my old friend. Non, pas moi. Et puis il y a les aigris. Ils arrivent dans notre vie, chamboulent tout et haussent les sourcils. Et là on a l'embras, mais elles ont peut-être side eye. Un truc, elle est stressée, Loane, elle est stressée. Oui, très. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson, c'est parti. L'embras est trop, mais le problème, c'est que l'organisation, elle est un peu douteuse, un peu bancale. Hein. J'ai super froid. Comment? Moi, quand je suis habillée, j'ai froid. Okay. En même temps, frère, il est 8h, j'ai super froid. Le petit problème, c'est que là, on a un peu perdu les profs. Avec Lara, on est un peu seul, voilà. On va là où le vent nous mène. Loane, elle est enceinte. De qui? Ah ah, mystère. Ah. Ce qui a grand adresse à Grenade. On part à 49, on revient à 50. On valide. Vas-y, montre. C'est trop beau. Trop beau. Vraiment, c'est un pipi. Eh, hey, pardon. Vous sentez pas un petit odeur là comme ça? Ça a plus de pipi. C'est ton tel le fait, pipi. Et elle fait grave de photos et tout. Voilà, elle pose et tout, mais bon, tu vois, la photo est belle, mais le mannequin pas trop. Il est incroyable comparé à pas trop. Le téléphone, pas trop là. C'est de la pisse. C'est ça. Et voici les futures stars, les futures stars de la K-pop du monde et tout. Elle qui va rejoindre les Blackpink. Vraiment. Ouais, c'est faux, Léa. T'as pas d'avenir. J'adore la compétition. Ça va être à la vie à la mort. Et je parle de ma vie et de leur mort. Là, on a fini l'Alhambra, donc faut qu'on aille manger. Le problème, c'est que le parc est à 20 minutes, on s'est trompé de chemin, donc on va faire demi-tour. On a fait genre. Trop chiant. Là, on est en train de faire les spectacles de danse, c'est grave drôle, mais pour passer dans tout le monde, moyen. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh oh oh. I'm music, I'm flows. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Que te hace llorar, a mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. On a fini la danse, donc on a agité avec Léane et d'autres groupes, d'autres Google comme ça. Voilà. Alors on a géré, mais en fait, y a un certain groupe qui s'appelle Luan Carapène qui nous ont niqué à tous. En fait, genre, quand on l'a fait, je pensais qu'on avait fait de la grosse dé. Puis après, je regarde les images, je me dis, en fait, sans le groupe des potes à Thibaut, on aurait gagné. On aurait été premier. On aurait gagné. On aurait été premier parce qu'on avait des portées tous les deux en mode waouh. Cause I trust sunshine in my pocket. Got that thing that's in my feet. Là, on est seul. On a 3h30, je pense, 4h. Ouais. On a les magasins. Après, on va au Nevada Shopping. Donc, c'est une boutique commerciale comme les terrasses du sport. Ça va être trop bien. Et après, on va au resto à volonté manger des pâtes et des pizzas, apparemment. Donc, Thibaut va vivre sa meilleure vie. Je suis à moitié heureuse et à moitié. Sachant qu'elle, elle a déjà pleuré pour sa maman Hispania. Oui, parce qu'elle pleurait. Du coup, j'étais au bout de ma vie. Elle était trop gentille.
I'm still standing better than I ever did. Louane, elle a fait son petit achat, elle est contente. Je fais mes petits achats là. Allez. Regarde là, j'en ai partout. Jusqu'au bout, je me dis, mais non, je vais pas le faire. Et puis, je me dis, ben, pourquoi pas. Et en fait, c'est l'idée. C'est le risque, c'est le défi. Ouais. Je suis séduite par l'idée. Ça s'appelle la vengeance. Faye, elle était au courant et tout. Faye, elle était au courant et tout. Tout le monde était au courant. Ça s'appelle la vengeance. Morgane. Le plan a fonctionné. J'ai participé et tout. Franchement, je me suis vengée. Je me suis vengée, putain. Non, mais ta gueule, en fait, vraiment, je te déteste. Genre, le mec, il s'est rapproché de moi juste pour avoir des sous pour gagner un pas. Pas un pari, un jeu de merde. En plus, avec le centre commercial, il est immense. Il y a trois étages. Il y a un jeu. Il y a des ciné là. On va se péter le bide. On aurait soit volonté de pasta et des pizzas et des italiano. I'll take you to the future. Forget about the past. I can keep all of your secrets. I swear that I won't pass. Let go of all your troubles. I don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. Them bright pics. C'est bon, mais j'ai plus faim. Là, il est minuit, on va dormir et à demain. Les soirées samedi soir, quelquefois ça me déçoit pour quelques billets sans, ça part en gicle et sans. Il est 14h, on va enfin manger, je crève la dalle. On a le sommet avec Thaïs parce qu'on voulait manger des McDo. McDo là, on va ici pour manger quoi? Des lasagnes. Des lasagnes. Alors bien, on a mangé des pâtes. C'est le pipi. Pipi. Fini le jeu, elle a récupéré toutes ses cartes à Sacha en la faisant cramer. On a 17. 17, un truc à dire. Je suis trop forte. Avec Lily, on a gagné les prix. On a gagné un paquet de bonbons et une place de cinéma. Gratuite. Gratuite. C'était trop bien, j'ai adoré, vraiment meilleur voyage. Je suis triste, j'ai trop aimé, ça me manque. Je suis trop triste, j'ai pas envie de partir, moi je voulais rester plus. Paco Paco, il a pris mon numéro, mon Insta, j'ai pas eu de nouvelles. Donc Paco Paco, j'ai pas trop. Paco Pala quoi. C'est fini, bisous.